Bon, je vais Minecraft 1.6.7 B35. Je vais faire les paramètres de ma cam un petit peu, voilà. Parce que j'ai un peu bâclé le record. On est reparti pour un nouvel épisode de Minecraft, vous êtes offert. Les choses ont pas mass évolué depuis la dernière fois qu'on s'est vu, même si ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. Ce qui fait que sur la publication des rendus dans le futur, parce que je tourne tout d'un coup, évidemment, vu que je suis paumé sur une île, si vous n'aviez pas compris. Je m'embrouille dans une unité très simple là. Tout ça pour dire qu'on n'a pas beaucoup avancé. Aujourd'hui je suis avec Ben 13. Regardez, il est là. Ben 13. Et il a pas voilà mal. Arrête de dire que je suis là là. Il a miné avec Tinjoff. Tinjoff qui est reparti dans les mines. Très peu. Et actuellement on a 30 diamants en plus. Ce qui est plutôt pas mal. J'en ai profité pour réparer la 4 pickaxe ainsi que Selby. Moi aussi je suis dans le club du diamant. Et je crois que je vais réenchanter par la force magique des esprits. Mon armure. Eh oh, regarde. Moi aussi j'ai la force. Oh, ton épée entre dans le sol. Ouais, t'as vu, elle est tellement puissante qu'elle casse le sol. Elle est cheatée ton épée. Pas tant que ça, mais c'est pas grave. D'ailleurs, en allant miner, on a trouvé ça. Oui, j'ai dit. Oh oh. Ah, mon outil de navigation m'indique que des gens m'ont donné un diamant et que c'est trop gentil. Vraiment. Oh là, ma caméra a un petit peu bougé brusquement. Donc Ben 13, ce que je disais, c'est que... Qu'est-ce que je cherche déjà? On sait plus loin, rien. Ah oui. J'ai 64 de canne à sucre. C'est pas mal, hein? Oui. Ah mince. C'est trop nul, ça. De quoi je peux me débarrasser? Tiens, si tu vas voir dans mon coffre. Si tu veux, ramasse la poudre de creeper. Moi, j'en veux oui. pas. Moi, j'en veux. Vu que je sais que toi, t'aimes bien ça. Je la sniffe, moi. Par la force magique des dieux et des invocations. Faut pas le dire, hein. Faut pas le dire que je la sniffe. Hop, j'ai augmenté la protection de mon plastron. Moi aussi je vais faire ça après. Attention, par la force des dieux et des esprits et compagnie. Et compagnie. Protection accrue sur les bottes. Par la force de la nourriture et des esprits qui nous permet de rester vivants sur cette île. Protection sur les jambières. Et par la force de gna gna gna, j'en ai marre. Le casque. Et par la force de la force. Rien du tout, d'accord. Voilà, entièrement en protection améliorée. Comme l'indique mon outil de navigation encore qui fait absolument tout. C'est une protection plus ou moins de niveau 1. Oula, j'entends un baby zombie pas loin. Je commence à avoir l'habitude des bébés zombies qui rôdent dans l'île, on s'y est fait. Hein. On s'y est fait. Bah en fait, je crois savoir c'est lequel que t'entends. Ah mais oui, c'est Quasimodo. Oui, Quasimodo. Oui, il est mignon, Quasimodo. Hein. Tu veux de la côtelette? Doum. Non. Il veut pas de la côtelette, ça. Hein. De la coquelette. La coquelette. De la coquelette, évidemment. Je manque tellement de sommeil. Eh non. Nom de l'épisode. La coquelette. Exactement. J'approuve. Waouh, t'as dû entendre du bruit. Ouais, un peu. J'ai légèrement bougé la partie micro de mon outil de navigation. J'adore cet outil de navigation, c'est tellement pratique. Hop. Je vais continuer d'avancer un petit peu plus ou moins par là. Parce qu'il y a des lieux magnifiques à voir. Et que je sais que les lieux magnifiques à voir, vous aimez ça. Je nage avec les poulpes. Oh, les jolies poulpes. Oh, oh mon dieu, c'est moche. Que j'oublie ce que je viens de voir. Il a vu quelque chose de moche. C'est l'aile arrière d'un poulpe. Un point que t'imagines, mais même pas. Bah si, je peux l'imaginer. Oh, c'est une merde de cauchemar, ça, je me casse. Ah, l'alpinisme, c'est pas facile. En plus, j'ai perdu un petit peu la main. Vu que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport. Sport. La MC4 Mine. De Tinjoff.
Hop, je mange un petit peu de mouton parce que j'en ai trop. Les moutons, c'est sympa. Trop de moutons. Trop de moutons tue pas le mouton. Pas forcément. What? Un poulet est tué par le CLB. Bah 4 vient de naître. Comment ça? J'avais 7 œufs. Enfin 7 le 7 œufs. chiffre. Tu les as balancés au hasard et t'as eu 4 poulets. Oui. Oh, des poulets encore. Mince, je me suis fait mal. Du coup, j'ai plein de bébés dans ma maison. Je vais les élever avec amour et tendresse. Oui, ça c'est le gentil Bentres que je connais. En Quoi fait, je que. déconne, je vais les défoncer dès qu'ils sont grands. Je vais les tuer, mais du genre un gros massacre. Ah, je reconnais mieux mon Bentres là. Non, mais je suis pas gentil, faut pas croire Quelqu'un ça. m'explique pourquoi j'entends de la lave sous mes pieds? Parce qu'il y a de la lave sous tes pieds? Non, mais là. Oh! OMFG! Attends, ceux qui voient la vidéo ne peuvent pas y croire. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Si, sûrement. Non, mais sérieux! Sérieux, un lac de lave à la couche. À la couche 55, quoi. Juste en dessous de l'eau. Faut pas déconner, c'est Nawak. On fait des découvertes tous les jours sur cette île. En gros, tu veux me dire qu'il y a de l'eau Je et il viens y a de de la casser un lave? bloc d'herbe. L'eau d'une rivière est rentrée et a fait se transformer en obsidienne. Un lac de lave souterrain. Oh mon dieu, mais dans quelle planète je vis? En plus, il y a un peu de fer. Il y a 1 trilliard de zombies qui me foncent dessus. Ils arrivent en bande. Hop, tiens, ça va me permettre de me débarrasser de toutes les conneries dont je n'ai absolument pas besoin. Une porte! Ouais, je l'ai regardé, rien qu'en hommage au hippie, gros. Oh yeah. Je regarde dans ma barre d'inventaire, même. Keep calm and be a hippie. Wow. Alors, il y a quoi devenir fou sur cette île? Keep calm and be a hippie. Allez, j'avance et je remonte. C'est physique, hein. Vous vous rendez pas compte, hein, mais c'est galère. Tiens d'ailleurs, bah du coup, ça me fait de l'obsidienne à portée de main. Si tu en as besoin, je pense que je peux récolter cette pierre avec mon. Ouais, si ça te saoule pas trop, si on tu files la pioche nécessaire et je le fais. Non, c'est un peu loin. Je T'as veux récup... les amis, mon caméscope déconne un petit peu, je suis désolé. Pourquoi tu dis non? Je suis pas là. T'es pas là. En tout cas, nos viewers sont là. Non. Si. Non. Et si. 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 Jamais de la vie. Si. J'ai jamais miné de l'obsidienne alors qu'il y avait du sable juste à côté de moi. Cet endroit est juste bizarre. Par contre, il en faut beaucoup, hein. Ouais, c'est vachement long. Et il en faut 16. Je sais. The. T'es trop drôle. Oh, de la lave. Failli tomber dedans. Allez, la 4 pickaxe, ça s'en prend un peu plein dans la gueule. Oh là. Mais de toute façon, elle a l'habitude. J'en ai actuellement 3. C'est bien. Et je pense que je vais essayer de l'accélérer au montage. Ok. J'essaie de miner avec la porte, moi. Une porte! Donc, fin de l'accélérer, j'ai tout ce qu'il me faut. Et reprise de la survie comme d'habitude. Tel que vous l'avez toujours vu. Je peux pas remonter. Bon, bah. Mince. Cool, encore une autre. Voilà. J'ai encore une autre perle qui sert à se téléporter. Et tu penses que tu peux en faire un autre usage? Ouais, je crois me souvenir qu'il y a une façon en fait de les transformer en œil
avec de la poudre de Blaze là. Ah ouais, les monstres friteux et, là. Et en fait, c'est ça justement qui va perdre. Qui, c'est avec ça que je vais utiliser les obsidiennes que je t'ai demandé. Ça permet en fait de faire un coffre tout noir qui a, je suppose, des propriétés de l'under de la perle, d'under perle. Comme la téléportation, ça peut téléporter d'une manière ou d'une autre. Ça dépend et voilà. Comment. Et en fait, tout ce que tu mets dedans, et bah il reste dedans. Mais par contre, si par exemple moi je mets, je sais pas, un bloc de terre, et bah CLB lui ne pourra pas récupérer ce bloc. C'est relié à la personne. Ah ouais, comment tu sais tout ça? Quelqu'un de Phanax. Ah ouais, il a beaucoup étudié Phanax, tout ce qui s'est passé ici. Hop, ça c'était le saut de l'ange. Si vous me qualifiez comme un ange, dans ce cas je vous en remercie, vous êtes des gens super sympas. Oh, tiens. Le jour se lève, mais j'ai... Ah, oh, hé hey. On se calme le zombie en même temps. Hein. Ouf, il ne m'a rien donné. Tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Oh, une sorcière. Bon, ça ne m'étonne même plus à ce stade. Ok. J'ai tué la sorcière alors qu'elle avait bu une potion. Une potion un peu bleue qui semblait la rendre plus rapide, donc je suppose que... Hein. Toi qui m'avais créé une potion bizarre qui permettait de faire de la force, je suppose que celle-là permettait de faire de la vitesse. Ça semblerait aller de soi. Oula, je commence à avoir mal. Le mec tout gentiment, moi je commence à avoir mal moi. Ouais mais bon ça va, je maîtrise la situation. Tout va bien. Toi tu es en train de miner, c'est ça? Non, là je suis en train de faire n'importe quoi. Là si, voilà, je sais ce que je veux faire. Il faut que j'aille dans le monde de l'enfer. Dans le monde de l'enfer. Oh, comme c'est mignon. Défoncer des blazes que j'en vois. De quoi? Il est trop mignon. De quoi? Et regarde-moi un petit peu pour voir. De quoi? Voilà, miniature de l'épisode. Il est trop chaud, le petit lapin noir. C'est trop chou. Un lapin noir. Ok, zombie. Il s'était protégé de la lumière du jour. Oh, le salaud. Hop, poulet. Repoulet. Poulet. 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 J'espère que t'as pas besoin de poulet. Parce que... Non, c'est bon. Parce que si t'as besoin de poulet, malheureusement, tu es servi. Et ça, c'est dommage. Parce que j'aime pas quand tu es servi. Je préfère que tu souffres. Donc j'espère vraiment que t'as pas besoin de poulet. J'ai pas besoin de poulet. Ah, ouais, cool. Dans ce cas, je souffrerai pas. Ouais, pardon, quoi, hein? Bah si j'en ai pas besoin, et bah je m'en fiche. Ouais, bah je vais t'en donner dans ce cas-là. Bon, d'accord, je veux bien, je m'en fiche. Ça lui pose pas de problème non plus. Bon, bah je me viens de me perdre à mon propre piège, là. Oui, oh, encore plus mignon. Un petit bébé lapin. Eh, laisse-toi approcher. Peut-être miniature de l'épisode aussi, c'est trop mignon. Tu mets les deux en même temps pour la miniature. Bah ouais, mais le petit bébé lapin blanc là. Première fois que j'en vois. Autant. Et d'aussi beau. Ils sont trop mignons. Encore, on n'a pas vu de chat, mais je suis sûr qu'il y en a quelque part. Après tout, ce serait logique. Ouais. Oh, des poules, ils sont absolument dégueulasses. Oh, ce que c'est beau quand c'est dégueulasse. J'adore ça. Bon, Antoine Daniel aime bien ça, mais moi perso ça me branche pas. J'avance dans une forêt de boulot. Une forêt de travail. Ah, une forêt de dur labeur. Tu es trop drôle.
Non, mais c'est vraiment comme ça qu'elle s'appelle. Oui. J'ai vu la pancarte à l'entrée. Ah, tu es trop drôle. Trop de poulets. C'est des lapins en plus. Oui, il y avait beaucoup de poulets, mais il y a aussi pas mal de lapins. Oh, trop de poulets. Oh, tiens, dis donc. Et ça me rappelle quelque chose. C'est dans cet environnement qu'on s'était installé durant la deuxième saison. Une forêt sombre avec de très larges arbres. Et je me souviens qu'il y avait par endroit des champignons géants. Oh, les voilà. Et ben voilà, tout est réuni. On a un environnement très 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 beau. Si je puis me permettre. Très 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 arc. Je dis beau, papa. Ou. Ah. Censure ce que j'avais soif. Il a censuré. J'ai cassé le tronc d'un champignon, ça m'a donné quelques petits champignons, mais bon, je voulais pas les ramasser, ça n'a rien de bien intéressant. Tu peux m'aider à les retrouver Tu sais, on avait trouvé une sorte de forteresse dans le monde de l'enfer, et je l'ai pas retrouvée en fait. Attends, mais là c'est pas possible, il y a tellement d'animaux qui pourraient faire la miniature de la vidéo. Enfin, je veux dire, des animaux de cette race-là, ils sont juste excessivement rares. N'est-ce pas le mouton rose, là? Qu'est-ce que t'as me nargué? Ouais, je te méprise. Nien. Entité improbable, va. Bon, tu réponds à ma question. Quelle question? Bah, il faut suivre la pierre. Bah oui, mais ça m'amène à un endroit totalement what the fuck. Et y a, à la fin, ça se coupe. Y a plus rien. Ouais, mais là je suis parti très très loin en fait. J'y retourne. Où ça? Là où je suis parti très très loin? Absolument pas. Absolument pas. Bon. Oh, tiens, des petits loups. Bah, malheureusement, j'ai plus d'os pour les apprivoiser. Mais ça aurait fait un deuxième Floofy. Un ami à Floofy, ça aurait été sympa pourtant. Mais je peux pas les apprivoiser, malheureusement. Ah, pas si, c'est bon. C'est bon, j'ai retrouvé. J'ai beaucoup de matériaux, mine de rien. J'ai énormément de flèches. Ouais, presque une centaine. Même un petit peu plus d'une centaine. C'est des matériaux, des flèches? Comment ça? Bah, t'as dit j'ai énormément de matériaux. Je voulais dire énormément de ressources, énormément de machins. Énormément de trucs. Et hey, tu sais ce que je te dirais de faire? De tuer tout ce que tu vois qui est mangeable. Du genre, tu te tues, tu vois, ça va me débarrasser de le faire. Non, tu veux pas? Je me fais grave flipper quand tu me dis ça. Non, je déconne, mais... Ouais, mais j'espère, mais tu me fais quand même vachement flipper. Enfin non, je déconne pas, je déconne jamais moi. Mais... Je me pose des questions sur ta santé mentale, sérieux. Elle va très mal. Si c'est ça que tu veux savoir. OMG. Tu es quelqu'un de très bizarre. Oui. Hey. Y a plus grand chose par là où je suis là. Je me suis éloigné très 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 loin. Mon outil de navigation m'indique que je suis au sud-ouest de la maison. En moins 460 500. Et moi je t'indique que je suis dans le monde des enfers. Il y a plein de loups partout, j'aurais bien aimé tous les apprivoiser. Comme dans Pokémon. Pokémon! Apprivoiser les tous. Ensemble pour la victoire. Ouais. Nous, on gagnera avec cette armée de petits Pokémon. Tu connais vachement les paroles et tu sais vachement faire rythmer des paroles improvisées. Ah ouais, hein. Il y a pas de rime, alors qu'il devrait y en avoir. Parce que dans cette chanson, c'est fait que de rimes. De rimes croisées, pour être très précis. C'est bien les rimes croisées, moi je trouve ça vachement classe. Parce que c'est des rimes et c'est croisé. Ah oui, un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit, je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Là les rimes s'alternent. Bonjour, saut du suicide sur le. Même si ça fait un peu Just a Rhyme without a Reason.
Parce que concrètement, les paroles ne veulent pas dire grand-chose. Par contre, elles sont bien écrites, elles ont la classe. Si tu prends le temps de les écouter un petit peu. Et que ça te dérange pas. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit, je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis, je parcourrai la terre entière, bravant avec espoir les Pokémon et leurs mystères, le secret de leur pouvoir, Pokémon, attraper tous, blablabla. C'est la version chantée, la plus chantée de toutes les versions chantées de l'histoire de la chanson. Alors, là, moi, mon machin GPS qui se pète sans arrêt m'indique que là où je suis, ce qui veut dire ta maison, est en 70 277. Ouais, je suis vachement loin. Je suis à plus de presque 1 km en fait. Ouais, et t'as fait ça à pied. Le mec, c'est un champion du monde, en Non, fait. ce 1 km, ça se fait à pied, hein, je veux dire. Ouais, t'as raison, en fait. Mais... 1 km, c'est la traversée d'un grand village. Mais il est vachement large le village quand même. Bien, peut-être que les forêts sont petites. Un peu se faire, je viens de tomber dans des grottes là par contre. Si tu en as quelque chose à foutre, évidemment. Il y a de la Ouais. lave ici. Oh, ben, oh là là, je m'enfonce dans les profondeurs là, ça va pas du tout. Il s'enfonce dans Ouais, les profondeurs. je suis jamais tombé aussi bas. Comment ça, on est en train de faire des blagues, mais jamais. Au secours, un zombard! Il n'y a plus de zombard. Au secours. J'entends Ah ouais, plusieurs non. zombies là. J'ai flippé. Ah, ça fait Il y a plein flipper. de zombies. Les zombies, ça fait peur. Oh! Tu te ramènes ou pas? J'ai besoin de mon obsidienne, moi. Bah le problème c'est que... Un squelette! D'où est-ce qu'il est venu celui-là? Il se fondait dans la roche. Oh le Il se vilain. fondait dans la roche. Bonjour, je vais dans la roche. Pas mal. Hop, voilà pour la chauve-souris. Je sais pas pourquoi, dès que j'ai vu qu'il y avait des chauves-souris de ce monde, je pense que tout le monde a compris que je passerai ma vie à essayer de les tabasser. Ah. Parce que j'aime pas les chauves-souris. Des fois, ça te fait des frayeurs surprises inutiles. Je sais pas du tout où je suis. La nuit tombe en plus. Je flippe ma race en fait. CLB, il flippe la race. Comme un petit trou, y a CLB, rien ne l'arrêtera. Même pas sa terrible peur. CLB. Il va crever. Mince! Mais pas avec les pieds, CLB! Il va pas crever avec le pied, ouais, je pense aussi. Mais... Par contre, je peux me suicider avec les pieds. Faut vraiment le vouloir, mais ça doit être possible. Mince, Oh accidentellement, tiens! gros. Oh! Le paradis! Plein de fleurs, je vais en prendre des tonnes. Oui, prends-en masse pour La, moi. Mais du genre tout ton inventaire rempli. le problème c'est que mon inventaire en lui-même est déjà rempli. Bah alors La dis-moi où la tu es, la je la te rejoins. la la Dis-moi la où tu es, je te rejoins. la 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 Dis tes coordonnées, Des je place. fleurs, trop de fleurs et trop de puissance qui vont avec. Plein de Toi là. fleurs. Ferme-la et dis tes coordonnées Ah, GPS. ça me rappelle quelque chose. En plus, pour les plus anciens de la chaîne, ça va leur rappeler aussi des souvenirs. Mais Eh vraiment oh! les plus anciens. Oui! Tu me donnes tes coordonnées GPS que je te retrouve? Moins 860, 650. Avec une forêt de fleurs. Avec plein de fleurs. Mais c'est sublime.
J'ai ramassé des roses, plein de roses. C'est beau. C'est d'une beauté rare, quoi. Et on va tout déforester. Moi, je peux pas trop vu que mon inventaire est plein. Je peux pas ramasser grand chose. Je me ramène, mais en effet, on est super. Tu es super loin de la base. Ouais, je suis parti au Japon. Non, peut-être pas quand même. En 1 km, ça fait pas trop le Japon en fait. Ouais, mais... vachement. C'est quand même bizarre de traverser plusieurs forêts en 1 seul kilomètre. Bah, c'est des toutes petites forêts. Ouais, c'est particulier quand même. J'ai une perception du temps et d'espace vraiment particulière. Ce monde est différent du nôtre, si tu veux mon avis. Moi, je le veux pas. Ouais, en tout cas, il est cubique. Non, t'es sûr? Ouais, à peu près. Moi aussi. Voilà, j'ai 47 roses, ça va peut-être aller. Je me ramène. Des fleurs et trop de fleurs et trop de puissance qui vont avec. Oh. Ah ouais. Oh mais c'est ça la MC4 Mine, je l'avais jamais vu. The world is mine. Pour miner tout ça, bah dis donc. Eh, pour miner tout ça, bah dis donc. Bah ouais, ça a pris beaucoup de temps au Tinjo. J'heureux. Bah toi, t'es en train de défoncer ton micro. Ouais, le micro de mon outil de navigation prend cher. Allez, viewers. Oh, oh mon dieu, un creeper. Nya, nya, voilà. Ok. Je crois que il y a eu un bug dans la faille spatio-temporelle et la fumée qui se téléporte, bien sûr. Je comprends plus rien. Bah d'un côté, dans ce monde de fou, on est. Ouais, on commence à avoir l'habitude. Exactement. Tout ce qui se passe est forcément possible. Pourtant, je vois pas le rendu de mon caméscope, moi. Je vois vraiment la vérité vraie du monde véritable. Et normalement, vous voyez à peu près la même chose que moi, même si j'ai une focale bien plus large que ma vue réelle. Je vous rappelle que ma vue réelle, c'est plutôt ça. On est bien d'accord, hein. Avec un mètre cube, c'est bien un mètre cube. Et c'est assez particulier. Et les fleurs sont vachement grandes quand on y réfléchit. C'est vrai, parce que... Et c'est pour ça que j'ai largement augmenté la focale de ma caméra, parce que le FOV de ma vue qui correspond à peu près à 30, c'est juste pas possible pour vous. C'est assez laid. Et on voit pas grand chose. D'un côté, pour vous ce serait plus immersif. Ah ! Et vous comprenez maintenant pourquoi un zombie ça fait flipper ! Ah ! Voilà. J'ai réglé la focale de la caméra. Et je crois qu'il va être temps d'arrêter l'épisode, ça commence à faire longtemps. Ah ! C'est bien réputé pour ses cris de fillette. On est d'accord, hein. T'es réputé ? Déprime, en noir et blanc. Tristesse. Chaos et destruction. Ouais. Je m'apitoie sur mon sort. Ouais. J'essaye de me suicider. Ouais. En me noyant. Ouais. Faut que je me laisse me noyer. Laisse-moi en paix. Non. Va te faire. Non. Peut-être que ce sera le dernier épisode que vous verrez avec moi. En tout cas, je vous remercie du visionnage. J'espère que je reviendrai. Merci Bentress pour la déprime. Ouais. Sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB.